Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur La Barrie. Tout de suite, les titres de cette édition. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans l'espace UEMOA, une rencontre de haut niveau s'est tenue à Niamey ce vendredi. C'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui l'a présidé. Crise à l'Assemblée nationale, un comité de 15 membres a été mis en place pour trouver la voie de sortie. Il a tenu sa première réunion ce matin. Le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA a tenu ce matin sa quatrième session à Niamey. Objectif, proposer des solutions pour éradiquer la faim et la pauvreté dans la région. C'était sous la présidence du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, également président du dit comité. Compte rendu à Soumana China et chez Bougisson. Le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'espace UEMOA, dirigé par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, est mandaté pour réfléchir et proposer des solutions les meilleures pour éradiquer la faim et la pauvreté de la région. Cette quatrième session vise plusieurs objectifs. Je vous invite en particulier à explorer toutes les pistes permettant de vaincre effectivement la sécurité alimentaire dans notre espace économique. À cet effet, la quatrième réunion à laquelle je vous ai convié doit nous permettre de poser de nouveaux jalons dans l'amélioration de la maîtrise de l'eau, l'accroissement de la productivité agricole à travers la qualité des semences, des engrais, des sols, des techniques culturales, le renforcement de la qualité du stockage des produits, le suivi des statistiques agricoles et de l'information des marchés agricoles, le renforcement des capacités des acteurs en vue d'améliorer leur résilience et la création de plateformes multifonctionnelles sous forme de centres, sièges ou maisons d'agriculteurs. Elle doit aussi être une opportunité pour élargir les investigations sur la prise en compte d'aspects nouveaux dans les stratégies de promotion de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable. Le comité a examiné la situation alimentaire de l'espace UEMOA et il ressort qu'environ 3 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire, un chiffre qui pourrait atteindre 6 millions de personnes si aucune disposition n'est prise. C'est pourquoi le comité a élaboré des recommandations afin que la situation soit décantée. À l'endroit des États membres de l'UEMOA, accélérer le rythme de mise en œuvre des engagements de Maputo relatifs à l'allocation d'au moins 10% des budgets nationaux à l'agriculture. Mettre en œuvre la déclaration de l'Union africaine sur l'agriculture familiale. Renforcer la coordination intersectorielle pour une meilleure synergie des interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Améliorer le climat des affaires pour accroître les investissements privés dans la production et la transformation des produits agro-sylvopastoraux. Prendre des mesures en vue de l'identification du cheptel. Rendre disponibles à temps les plans de contingence et réponse et de réhabilitation au profit des zones vulnérables. Renforcer les systèmes d'épidémio-surveillance et de lutte contre les maladies animales contagieuses. Renforcer l'engagement et la mobilisation politique afin d'accélérer le processus de formulation et d'adoption des priorités résilience pays, PRP Agir, et de créer les conditions pour le financement de leur mise en œuvre.
à l'endroit des organes et institutions de l'UEMOA, opérationnaliser les organes prévus pour la gouvernance du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Union, notamment le secrétariat technique, le comité des experts, et le comité de pilotage et de suivi des actions du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Le président de la République du Niger, président du comité du haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'espace IMOA, a émis le vœu de voir engager un programme à l'image des 3N afin que les Ouest-Africains nourrissent les Ouest-Africains et les Africains nourrissent les Africains. Première réunion ce vendredi du comité chargé de trouver des voies et moyens pour mettre fin à la crise que connaît la deuxième institution de la République depuis le 17 avril dernier. Le comité de 15 députés est présidé par le président de l'Assemblée nationale. Commentaire Hassan Saleh Mustapha. 15 députés nationaux, dont 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 de l'opposition qui soutiennent le pouvoir, c'est donc ce comité qui a désormais la lourde responsabilité de trouver une solution consensuelle à la crise qui secoue l'Assemblée nationale depuis environ 3 semaines. Ce comité, présidé par le président de l'Assemblée nationale, a tenu sa première rencontre ce vendredi à huis clos. Après plus de 2 heures de discussion, les membres du comité ont quitté la salle de réunion avec certainement une seule consigne, de ne rien dire à la presse, en témoigne ce refus de répondre aux questions des journalistes. Même les plus habitués se sont tus. Ce comité de médiation tiendra sa deuxième réunion en principe ce samedi 10 mai à partir de 10h. En rappel, le problème qui a conduit au blocage des travaux à l'Assemblée nationale a débuté le 17 avril dernier pendant le vote pour le renouvellement du bureau, précisément le vote du deuxième vice-président qui a divisé les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Et depuis, des débats divergents ont eu lieu à l'hémicycle pendant plus de 2 semaines entre les deux camps, mais des débats stériles, ce qui a conduit les deux parties à saisir la Cour constitutionnelle afin de se prononcer relativement aux dispositions prévues par la Constitution du 25 novembre 2010 en pareille circonstance. Actuellement, 3 requêtes sont sur la table de la Cour constitutionnelle. La requête de la majorité, celle de l'opposition et la requête du président de l'Assemblée nationale. La Commission nationale des droits humains a rendu publique une déclaration à son siège ce matin. Au centre de celle-ci, une préoccupation, la situation institutionnelle et politique prévaut dans notre pays. Le bureau de la CNDH appelle les parlementaires au respect strict de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La déclaration est lue par le professeur Khalid Ikiri, président de la CNDH. La CNDH demande aux parlementaires de respecter les décisions de justice devenues définitives, notamment l'arrêt numéro 04 du 2 mai 2014 de la Cour constitutionnelle qui s'impose à tous les Nigériens. Fait comprendre que toute interprétation tendancieuse de cette décision en dehors des voies autorisées par la loi doit cesser. Rappel aux divers groupes parlementaires de l'Assemblée nationale qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute violation de l'exécution des décisions de justice devenues définitives, notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Demande et encourage le Conseil supérieur de la communication à poursuivre ses efforts dans la régulation des médias, dans le traitement de la diffusion de l'information et l'exhorte à veiller à un accès équitable des acteurs politiques aux organes de la presse publique. La CNDH rappelle également que les attributs de la République doivent être respectés en toutes circonstances et que la sécurité des hautes autorités, notamment celle du président de l'Assemblée nationale, doit être garantie selon les usages consacrés. La CNDH rappelle au président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, son engagement à doter le pays d'institutions fortes et crédibles. Enfin, la CNDH, dans la lancée de sa déclaration d'Agadez en date du 26 avril 2014, a déjà entamé une série de rencontres avec les acteurs politiques en vue de renouer le fil du dialogue politique et social.
Après avoir interpellé le président de la République et les élus nationaux il y a 2 semaines sur la situation qui prévaut à l'Assemblée nationale, le Cercle de réflexion pour la démocratie au Niger, CRD Niger, a à nouveau animé un point de presse ce matin. Une sortie médiatique à travers laquelle le CRD Niger appelle le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale, fustige la manière avec laquelle les médias d'État traitent l'information et appelle à une marche sur l'Assemblée nationale le mercredi 14 mai prochain. Plus de précisions avec le porte-parole du CRD Niger, Insa Garba, que je vous propose de suivre. Le président de la République, il a aujourd'hui toutes les chances de réussir en prenant un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que nous estimons, et cela est clair, personne ne dira le contraire, il n'est pas possible d'avoir une porte de sortie de crise par rapport à cette affaire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Vous avez compris. Pendant 3 semaines, ils ont essayé de faire le débat entre eux. Ils n'ont jamais eu une proposition qui a allé dans le sens de la loi. Ils n'ont jamais eu. Ils ont tous revenu pour dire que c'est un problème politique, il faut le régler politiquement. Tellement qu'ils pensent que les peuples ne sont pas intéressants, tellement qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de respect pour le peuple, pendant tout ce temps-là, ils ont fait leur bruit. Les peuples ont dit arrêtez. Ils ont refusé d'arrêter. Maintenant, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de possibilité, maintenant ils disent ok, on va mettre en place un comité pour aller réfléchir, pour violer la Constitution. Nous interpellons le président de l'Assemblée nationale pour qu'il sache que sa responsabilité est là. S'il accepte qu'un complot soit ourdi contre le peuple et contre la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et contre la Constitution et contre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il serait responsable. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire, ce que dans notre point de presse passé, nous avons dit au président de la République, et que le Premier ministre doit interpeller les ministres du gouvernement qui posent des actes qui n'honorent pas la République. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de réponse favorable. On continue. Parce que les actes qui se passent aujourd'hui, le fait que le président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité de la République, n'a pas d'aide de camp, n'a pas sa sécurité, c'est immoral, c'est irrespectueux pour la République. Il faut le dire. Nous pensons que le ministre de l'Intérieur n'a pas ses droits. Il ne doit pas se permettre, fit-il, l'ami du président de la République. Il doit savoir qu'il doit agir dans le sens de rendre positifs les actions du président de la République, pas les saper. Le troisième élément de notre intervention, c'est par rapport à vous, la presse. Nous avons suivi et vous suivez ce qui se passe dans certains télés. C'est dommage que le Conseil supérieur de la communication ne puisse pas faire son travail. Nous interpellons ici le CSC. La télévision nationale est un organe d'État, un organe public. Et d'ailleurs, toutes les télévisions qui existent au Niger ont d'abord un rôle de service public d'abord. Particulièrement la télévision nationale, parce que chaque Nigérien qui consomme de l'électricité paye une redevance à la télévision nationale. Cela nous donne droit à l'information. Vous avez vu ces 2 jours-là, le traitement qui est réservé à la déclaration des députés de l'opposition. Nous ne défendons pas les députés de l'opposition. Mais nous pensons qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, le peuple a droit à l'information. Et l'organe public qui doit informer tout le monde de manière équitable, c'est la télévision nationale. Vous avez vu avant-hier la télévision nationale. On a mis à l'intégralité la déclaration des députés de la majorité. Hier, vous avez suivi comment on a fait le traitement de la déclaration de l'opposition. Et pourtant, d'autres médias nous apprennent que l'opposition veut poursuivre le président de la République devant la constitutionnelle pour avoir trahi son serment. La télévision nationale qui devait nous faire cette information, ferme l'information pour nous. Nous avons droit à l'information. Et nous rappelons ici aux responsables de ces organes de presse, des organes de presse de la presse privée comme de la presse publique, qui sont au sort des pouvoirs, qu'ils sachent qu'ils doivent arrêter. Aujourd'hui, actuellement, les députés sont en conclave pour avoir comment violer l'arrêt de la Cour constitutionnelle, comment violer le règlement intérieur, comment violer la Constitution. Si cela arrive, ça veut dire que le président de la République est responsable de ça lui également. Et lui et le président de l'Assemblée seront responsables de cela. Et c'est pour cela que, enfin, nous invitons les peuples nigériens, des résidences à Niamey ou des passages, le mercredi à venir, je répète bien, le mercredi à venir, nous sortirons pour marcher sur l'Assemblée nationale. Le mercredi à venir, nous sortirons pour marcher sur l'Assemblée nationale et débouter les députés de là-bas parce qu'ils ne sont plus là pour le peuple, ils ne sont plus légitimes pour défendre le peuple, puisqu'ils ne font rien pour le peuple, ils sont là pour eux-mêmes.
Clôture ce matin à l'hôtel Sahel d'un atelier de formation pour les formateurs en matière de lutte contre la traite des personnes. Un atelier organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, ANLTP, grâce au soutien financier du gouvernement des États-Unis d'Amérique et de la République italienne. Compte rendu, Youssouf Omar et Khalid Bourima. 15 magistrats, 15 officiers de police judiciaire, c'est le total d'agents au service de la justice formés en matière de lutte contre la traite des personnes au cours de l'atelier. C'est une œuvre de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes avec le soutien des États-Unis d'Amérique et de la République italienne. Les 30 participants constitués de 15 magistrats et 15 OPJ vont faire des répliques à l'intérieur du pays pour faire à la fois de la formation et de la sensibilisation sur la traite des personnes. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde suit l'actualité, on sait que la traite des personnes et le trafic illicite de migrants sont devenus des phénomènes d'envergure nationale, comme le procureur d'Arlette a eu à le dire. Seulement, si vous le constatez, les citoyens ne comprennent pas, ils ne sont pas satisfaits et se disent comment la justice est là, la police est là et que ces trafiquants arrivent quand même à sortir des ressortissants nigériens hors de nos frontières. Cette formation nous a permis, OPJ et magistrats, de discuter sur les difficultés qui se posent à nos services sur le terrain. Aujourd'hui, quelle que soit la volonté du juge, il ne crée pas le droit, il l'applique simplement. Et la formation nous a permis de nous rendre compte qu'il y a une forte mobilisation. Aujourd'hui, si vous arrivez à avoir autant de nombre de cas devant les juridictions, c'est que quelque part, les services compétents sont en train de travailler. Le problème qui se pose au niveau aujourd'hui à nos juridictions, ils sont déterminés, mais il leur manque le texte adéquat, qui est le texte portant trafic illicite des migrants, qui est dans le circuit aujourd'hui. Du coup, on a échangé et on s'est dit, dans le domaine de la justice, les mêmes faits devraient produire le même effet. Les participants sont sortis satisfaits des travaux. J'ose espérer que j'ai acquis assez de connaissances que je devrais mettre en œuvre dans le cadre de mon travail et surtout répliquer parce qu'il s'agit aussi de la formation des formateurs. C'est surtout les techniques d'enquête et surtout la coopération judiciaire. Je voudrais vraiment formuler des recommandations dans le sens de délocaliser ces formations pour qu'on puisse aller au-delà des acteurs de la justice, former d'autres personnes pour un changement de comportement. Le degré de satisfaction est de 100%. On a beaucoup appris, en tout cas, sur les concepts de base, sur le cadre juridique, donc le cadre légal. Les conventions ont été étudiées, notamment la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, le protocole additionnel lié toujours à ce phénomène de traite, le protocole additionnel justement lié au trafic de migrants, illicite de migrants, les techniques d'investigation, l'assistance et la protection qui censée être apportée aux victimes et la coopération judiciaire. La formation s'est tenue du 6 au 9 mai 2014. Avant elle, une autre s'est tenue du 22 au 25 avril 2014. Et cela démontre la détermination des partenaires du Niger à juguler le phénomène de la traite des personnes. Le Niger a célébré hier la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. À cette occasion, la Croix-Rouge nigérienne, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une manifestation au Palais des Congrès. Compte rendu, Ibrahim Tikiri. C'est la première dame, Aissata Youssouf Mamadou, qui a présidé l'édition 2014 de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Après un défilé et un chant d'accueil, place au discours dans lequel il est ressorti l'historique et l'importance du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Chaque année, le 8 mai, nous célébrons la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Aujourd'hui, nous célébrons le pouvoir de la communauté et de la solidarité humaine, tant sous les projecteurs de la situation de crise que sur l'anonymat de la vie quotidienne. La Croix-Rouge nigérienne, il contribue beaucoup avec plus de 10 000 volontaires actifs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire nigérien et avec le support des partenaires du mouvement, à savoir le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge irlandaise, la Croix-Rouge belgique,
la Croix-Rouge monégasque, la Croix-Rouge luxembourgeoise, le Croissant Rouge iranien et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, etc. Grâce à cet appui, la Croix-Rouge nigérienne intervient dans les domaines de sécurité alimentaire, santé et nutrition, eau, hygiène et assainissement, la migration et les mouvements des populations, la réduction des risques liés aux catastrophes, la lutte contre les épidémies, le droit international humanitaire et la culture de la paix. Sur le thème de la journée du 8 mai, c'est le président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bandjaré, qui en a expliqué le sens. Le thème retenu cette année est « Mon histoire Croix-Rouge ». Il s'agira, à travers ce thème, de mettre en exergue l'histoire des millions de personnes ayant un lien chaque jour, sous une forme ou sous une autre, avec la Croix-Rouge et le Croissant Rouge, souvent sans même en avoir conscience. Il s'agira pour nous de songer au nombre de personnes qui ont suivi un cours de premier secours, qui ont entendu parler d'une famille secourue au lendemain d'une catastrophe et qui connaissent quelqu'un qui a fait un don, un soutien à un programme local. Sans s'en aviser que dans chaque cas, c'était la Croix-Rouge et le Croissant Rouge qui s'agissait. Ils ont inscrit en lettres d'or leur nom dans le mouvement de la Croix-Rouge et c'est à justice qu'ils ont reçu des distinctions et des diplômes. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne soirée sur La Barrie.